Yo, pêche à vue aujourd'hui, je vous aime. Bonjour. D'accord, il était juste jaloux de nos beignets en fait. Bonne journée, pas vous. Alors plus sérieusement, on va pêcher avec du raisin, le cheven à vue. Bon alors ce sera peut-être pas aussi efficace que la mûre, on verra bien. Oh oui, oh, oui. Bien joué. Mets-le dedans. Là. Tiens, je te laisse le release. Bon, et on a trouvé un spot qui est pas mal. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, c'est lui, c'est lui. Yes, tu l'as! Fais gaffe, il a à peine piqué. Ils sont trop bien tes hameçons. Regarde, ouais. À peine piqué. Et voilà. Allez, repars, mon gros. Refus, ouais. Là c'est à droite en fait. Ok. Ah tu voulais faire de l'explo là, on va en faire. Hein. Eh mais attends, mais ça a été nettoyé frère. Mais tu sais qu'il n'y avait pas de chemin. Hein? Comment ça se fait? Il a eu peur. C'est vrai que j'étais un peu suspect comment j'ai jeté. Mais ici ouais je pensais qu'ils étaient sauvages mais visiblement. Mais toi du coup tu veux arrêter la pêche à vue? Tu veux passer en mode leurre? Je vais passer en mode leurre pour l'instant. Bah écoute, je vais peut-être te rejoindre sur ce bief. Ça nage bien ce truc, regarde. Oh. Vas-y. Ah c'est ton leurre là avec la tête? Ouais. On n'a pas vu la gueule que ça avait. En vrai tu peux peut-être faire un barbeau en grattant le fond vraiment en les cherchant. En fait j'ai compris, là il y a un arbre. Et dans l'arbre, en fait dans le courant, il y a tous les barbeaux et tous les gros chubs. Regarde, regarde, putain je les vois trop bien d'où je suis. Oh il est juste là. Ouais tu l'as pris. Ah non. Oh je l'ai fait. Oh oui. C'est une blague. Ah ouais, donc en fait j'ai éteint au moment où il a pris. Bon les gars, barbeau leurre. Bon désolé, je fais un peu de la merde avec la caméra. J'ai éteint au moment où il a pris. Enfin bon, c'est pas grave. Il est là. Tac. Oh non, s'il saigne. Je vais faire un petit point. Je vais faire un petit point de compression. Il coule vite en plus. Voilà. Il est vraiment bien, ce allez, petit bonhomme. Ouais, en fait, tu lui as dandiné devant la gueule. Ben même pas, tu vois. J'ai dandiné un coup et ensuite je l'ai posé au fond de l'eau et il est venu le chercher. On a trouvé une technique pour faire du barbeau. Ouah, mec. Du coup, après ce barbeau, maintenant on va pêcher un petit peu au leurre. On recherche du cendre borgne. Voilà, cendre maîtré. On repassera peut-être sur de la pêche à vue tout à l'heure, mais pour le moment, c'est exploration au leurre. Pourquoi j'ai le cul trempé, bordel? Parce que t'es rouge. Là, tu vas perdre ton leurre en 2-3 lancers. Hein. Tu pêches avec quoi? Ah oui, avec un croc. Ok, bon, je suis désolé. Moi qui me foutais de ta gueule. Ah, vraiment, tac. Rien pour elle. Ah bah tiens. Ouais, c'est parfait. Comment elle est énervée? Oh la même. Oh, il est joli celui-là. Pour moi les cendres ça existait qu'en étant. Ah bon? Non mais pour moi c'est. Frère, t'es obligé d'avancer en ligne droite. Oh, oh oui. Oh poisson. Oh putain. Elle est jolie frère. Elle est jolie de ouf. Voilà, voilà la petite mémère. Tu veux prendre une petite photo? Allez. Avec la crête. Et voilà. Petite perche au spinner. Alors. Trop bien. Nice. Je sais pas si je fais bien de rester au leurre souple. Je vais mettre une cuillère à brocher. Bon écoutez, on vient de faire un cheven à vue. Ah, on était sur un banc de chub avec des barbeaux. La caméra s'est éteinte juste avant. Merci GoPro. Je pense qu'il y a des perches. Non, comme ça. Je sais pas. Faudrait trouver des grands fonds peut-être. Oh! 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 Oh, c'est un brochet ça. Peut-être oui. Viens, on se met au milieu. On met cuillère et on artille. Oh, algue. Regarde ma pointe frère, on dirait que... Oh non mais attends, mais j'ai un fiche. Oh. Non, j'ai des algues. On verra la vidéo, ça ressemblait de fou à un poisson. Oh oui. Oh oui. Oui, je l'ai vu, oui. C'est une perche ou un chub? Je crois que c'est un chucheux. Oh, il a sauté dessus mon gars. Oh oui, le jeu. Il a sauté dessus. Hop là, le petit Bobby. Nice.
décroché. Et imagine, c'est moi qui touchais un gros poisson alors que toi t'as la cuillère numéro 4. Ah bah c'est pas impossible. Oh oui. Oh c'est gros. Oh. Je sais pas si c'est un brochet mec, mais c'est pas mal. Oh mec, il est au bout. Je sais pas ce que c'est hein. Oh ça tient bien le fond. Peut-être un barbeau hein. Ça tient bien le fond hein. Oh. Regarde. Est-ce que ça serait pas le brochet? Oh, c'est un brochet. Oui, c'est un tout petit brochet, mais c'est un brochet. Non, te décroche pas. Le brochet. Yes. Mec, le premier brochet de l'Allier, viens là. On l'a fait. Il est tout petit, oui. Brochet de l'Allier. Let's go. Ça tient bien le fond. Ah, maintenant, oui, faut lui enlever. Oh, putain, let's go. Tu peux me passer ta pince. Putain, il est marbré, le bon. Ah, bah tiens, va décrocher. Tu peux me le filmer. Vas-y. Oh putain, je suis brochet de l'Allier. Yes. Putain, mais une riquette comme ça, ça trouve. Petite saucisse. Et voilà. Bon, il m'a mordu. Ah, il est c'est là. C'est la pire release. Ah, c'est bon. Brochet de l'Allier. Au bout de 1000 lancés. Au bout de. Oh, plus que 1000, oui. Et je vais. Et ben voilà. Ça existe les foutus brochets dans l'Allier. Mec. Non, mais pour l'instant, je vais tourner. C'est réel. C'est réel, le brochet existe. Puis j'étais persuadé que c'était le fond hein, lors de la touche, lors de la première. Bah ouais. Après, ça se battait de ouf. En fait, mais non. Il était les pas content. Te prendre pour un con, il doit... Oui, moi des brochets, j'en fais 3000. Hein. On aura validé quasiment tout ce qu'on voulait. On a fait tous les deux un chevenne à vue. T'as fait deux perches. J'ai fait un brochet et un barbeau. En vrai, il manque un gros cendre. Je crois que moi aussi, je vais te demander une cuillère numéro 3. Oh, oh oui. Oh, poisson. Oh, tu l'as? Oui. Oh oui! Je! Bon, moi je valide des petits poissons. Hop! On va choper des saloperies à marcher ici. Oh ouais, oh c'est dégueulasse. Oh c'est que de la vase, frère. Oh oui, je l'ai. Bon, je pense que c'est une perche, ouais. Oh oui, c'est une petite perche. Ouais. Oh non, c'est un chouchou. Oh. Oui, Gigi! Putain, lui il est vaillant. Il l'a voulu hein. Ah, le pire c'est qu'il est, il est pas trop piqué quoi, donc c'est parfait. Voilà, t'es à peine piqué. Petit chouchou. Font chier ces algues. Oh, en plus regarde, on descend à la même vitesse que les algues qu'on a arrachées. Regarde. On se ramène avec notre crew d'algues. C'est le crew, frère, regarde. Ça me fume de rire. Regarde. Bon voilà, d'une sortie qui était simplement pêche à vue. Là on est plutôt sur de la pêche au leurre, on va essayer de faire un gros carnassier, ce serait bien de faire un joli cendre ou une grosse perche. Mais bon, déjà faire un premier brochet de l'Allier, c'est plutôt cool. Coucou, on arrive. Salut. Oh mais mec, mais c'est profond devant moi. Bah comment ça? Bah oui, je savais pas que c'était profond ici. Oh, j'ai pris une tape. Bon. Oh! Oh! Non! J'ai pris une bête d'attaque! Oh non! J'avais le frein trop desserré! Oh! Oh putain, j'ai encore pris une attaque! Kerseo! Eh, arrête! Nos leurs ont atterri en même temps! Par contre il fait chaud. C'est bien parce qu'au final on... Oh j'ai poisson. Oh. Je sais pas si c'est... Oh, ça a l'air pas mal. Oh c'est une perche. Oui, c'est ma première perche. Oh regarde, elle est pas mal, hein. Oh. La première perche de l'Allier. Pour moi. Enfin la première. En vrai mec, mets-toi comment, on se met de dos et on pêche vers là-bas. Comme ça on se nique pas les yeux à regarder le soleil. Ah oui, parce que moi ça commence à me casser la tête de regarder. Oh. Oh. What, c'est encore une perche, elle est jolie. Oh. Mais what the fuck, un doublé de perche. Mais seigneur, je filmais pas évidemment, non. Je filmais ou pas, hein? Est-ce que je filme? Ouais. Oh yes. Ouais, un doublé de perche. Petite pelka. Magnifique. Putain, mais t'es en chien, gros. What the fuck.
Y a pas des gens canoyakistes en plus pour... Oh, mais mec, au moment où je dis ça, il y a un gens canoyakeur qui arrive. Mais il remonte la rivière. Qu'est-ce qu'il fout, le gens canoyakiste? Alors nous, on descend la rivière, mais vers le haut. Où je jette, bordel? Oh, mais c'est que j'ai eu une attaque en plus, tu l'as vu? Oh, poisson. Oh, c'est gros. Oh, c'est gros. Ça doit être un chub. Oh, je sais pas si c'est un chub. Oh, c'est pas mal. Oh, oui. Non, il s'est décroché. Non. Putain. Non, par contre, là, ça fout le seum. Hein. Je te jure que c'était gros. Oh, frère. C'était un... C'est... Je suis sûr que c'était un brochet. Bon, la caméra était en mode timelapse. Donc, je sais pas ce que j'ai perdu comme vidéo. Ni depuis quand elle est en mode timelapse, mais c'est pas grave. Eh bien écoutez, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo multi-espèces pour la première fois quasiment. On aura quasiment fait toutes les espèces qu'on voulait faire. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine.